Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Dans toutes les langues présentes, je suis le docteur Joël Amigo. Je suis le modérateur pour la séance de ce matin, la séance numéro 7, la jeunesse, la paix et la sécurité. Je vais surligner quelques points. L'Afrique est un carrefour. Elle fait face à un défi significatif démographique. D'après l'ONU, le continent va doubler sa population d'ici l'an 2050, de 1 milliard à 2,4 milliards d'habitants. Encore plus important, la moitié de cette population aura moins de 25 ans, ce qui soulève la question urgente, à savoir si les économies de l'Afrique auront la capacité d'absorber les millions de nouveaux arrivés qui vont bientôt inonder le marché commercial. Le terme jeunesse est associé avec des attributs mélangés, par exemple les rebelles qui cherchent une cause, ou bien de l'autre côté, les jeunes nationalistes et l'avenir du continent. Il y a des observateurs domestiques qui blâment la jeunesse et leur insurrection à une interférence étrangère. Il y a le problème d'urbanisation, des tendances à travers les pays de l'Afrique. Beaucoup encore n'ont pas eu leur propre révolution industrielle dans beaucoup de pays. L'âge moyen sur le continent est de 18 ans, c'est le président du Ghana qui l'a dit et d'autres. Comparément à l'Asie, 31, l'Amérique du Nord, 35 et en Europe, 42 d'après la Fondation Gates. La vérité est que la croissance de la jeunesse est un défi et une opportunité pour le continent. La frustration, le manque d'espoir des jeunes au chômage peut avoir des conséquences sévères, quelque chose qui est témoigné à travers l'Afrique. La Banque mondiale estime que 40 % des gens qui se rejoignent au mouvement de rébellion, c'est à cause de manque d'opportunités économiques. La situation est complexe aussi pour les jeunes filles qui font face à des défis multiples et incluent manque d'accès à la santé reproductive et les opportunités d'éducation et de travail. Il n'y a pas de pays sur le continent qui n'a pas essayé de répondre aux demandes de la jeunesse, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de gouvernements qui voient ce défi comme quelque chose qu'il faut embrasser, qu'il faut absorber. On voit ça comme un danger plutôt. Malheureusement, il n'y a pas assez de démarches pour soutenir la jeunesse. Peu de pays ont essayé de faire de sorte que les politiques pour la jeunesse soient réalisées ou fonctionnent. Et bien sûr, l'inclusion politique que la jeunesse requiert n'est pas toujours là. Si on peut être d'accord que la jeunesse de l'Afrique est très résiliente, très débrouillarde, comme dit le président du Ghana, alors on doit se demander ce matin, est-ce que l'Afrique peut saisir l'opportunité qui se présente ou est-ce que la jeunesse de l'Afrique est une bombe qui n'attend que d'exploser? Alors, avoir une population jeune, cette énergie, est-ce qu'on peut atteler cela pour être force motrice de la croissance économique? Le continent de l'Afrique est donc à ce carrefour. Je vais maintenant présenter la séance. La session va identifier les questions reliées à la paix et la sécurité en Afrique. Nous allons discuter les lacunes, les défis et les opportunités de la paix avec les jeunes en Afrique. Et puis aussi, nous allons voir l'architecture de la paix et de la sécurité, le rôle du leadership pour promouvoir l'engagement des jeunes dans tous les secteurs. J'ai l'honneur de vous présenter deux panélistes chevronnés. Je peux les appeler mes amis en ce moment. À ma gauche, Madame Chido Cléo Mpemba. Et à l'écran, nous avons donc Monsieur Victor Ochen. Madame Cléo Mpemba est l'envoyée spéciale pour la jeunesse
nommée par la Commission de l'Union africaine. Elle est la plus jeune diplomate et haut fonctionnaire du cabinet du président. Elle défend les intérêts de la jeunesse pan-africaine et a la mission d'utiliser ses forces, son influence et savoir pour mener des actions qui changent la vie des jeunes dans les communautés. Elle a travaillé avec diverses institutions pour coordonner des activités axées sur l'équité sociale, la paix, la sécurité et la défense des politiques. Elle est titulaire d'une bourse Mandela Washington et a été sélectionnée dans le cadre de l'initiative des jeunes leaders africains du président Obama. Elle fait partie de la Global Shapers Community, une initiative du Forum économique mondial qui a occupé des postes de direction. Elle a beaucoup d'expérience dans le secteur privé. Elle a commencé en tant que banquier au Standard Chartered Bank pendant 7 ans. Elle a également travaillé avec le ministre zimbabwéen de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture, ainsi qu'avec la championne olympique Kirsty Coventry. Madame Metemba figure dans le. Elle a une maîtrise de et aussi une licence de Cape Town. Merci. Le second panéliste est M. Victor Chen. Je vais vous partager son histoire. C'est le fondateur et le directeur exécutif de l'initiative africaine de la jeunesse. Il est né au nord de l'Ouganda. Il a passé 21 ans de son enfance comme réfugié dans les camps où il a survécu avec un seul repas par jour pendant 7 ans. Il a grandi au milieu d'un conflit violent qui a déplacé plus de 3 millions de personnes ou plus de 60 000 enfants ont été enlevés et recrutés de force comme enfants soldats, dont son propre frère. Son organisation a jusqu'à présent fourni des réparations médicales reconstructives à plus de 21 000 victimes de guerre, viols, mutilations, coups de feu. Confrontés aux difficultés de la guerre et de la pauvreté alors qu'ils vivaient dans les camps à l'âge de 13 ans, Oken a formé un club de la paix et a courageusement mené la campagne de recrutement d'enfants soldats au milieu de la guerre dans le nord de l'Ouganda. Il a grandi pour devenir l'une des figures les plus importantes d'Afrique, une référence clé en matière de lutte pour les droits humains et de la justice, un produit de la résilience et une personnification de la lutte. Forbes magazine a désigné Oken en 2015 comme l'un des 10 hommes les plus puissants d'Afrique, tandis que l'archevêque Desmond Tutu a attesté que mon cœur se gonfle de joie à voir Oken comme l'un des nouveaux espoirs de l'Afrique. Il est le premier Ougandais et le plus jeune Africain nommé pour le prix Nobel de la paix en 2015. Oken a reçu plusieurs primes et il est l'ambassadeur de la bonne volonté pour la paix et la justice pour l'ONU 2015. Il est membre du groupe de conseillers pour le genre et la protection des personnes déplacées. Nous allons donc commencer notre conversation avec Madame Fido à ma gauche. On va lui demander de surligner les points clés, les défis sécuritaires confrontés par les jeunes en Afrique. Elle va partager avec nous les engagements de l'Union africaine et pour confronter les difficultés auxquelles font face les jeunes vis-à-vis la paix et la sécurité. Et vous, les leaders du secteur de la sécurité, ce que vous pouvez faire pour promouvoir l'engagement des jeunes dans le secteur de la sécurité et renforcer la paix et la sécurité pour les jeunes. Ensuite, nous allons passer à M. Victor Chen. Basé sur ses expériences, il va partager ses contributions dans ses efforts pour promouvoir la paix et la sécurité avec des programmes pour les jeunes sur le continent. Il va parler des défis, des difficultés. Il va partager les développements positifs sur le programme de la paix et de la sécurité pour les jeunes et les leçons apprises. Il va aussi, il vous partagera des conseils pour vous, les leaders dans cette salle. Je vais maintenant passer la parole à Madame. Merci beaucoup, Dr. Joël. Je suis ravie d'être ici avec vous sur le podium et de partager, être avec vous sur ce programme. J'ai beaucoup appris de votre part aussi dans les discussions que nous avons eues au cours de la semaine. Je suis ravie de pouvoir représenter la jeunesse. Vous avez mentionné que l'Afrique a la population de jeunes la plus importante. Et donc, il est très important qu'elle soit représentée dans les conversations que nous avons tout au long du programme. En fait, dans la plupart des discussions que nous avons eues,
La jeunesse, en fait, c'est un thème qui traverse toutes nos discussions. Il y a le besoin pour nous, donc, de nous assurer qu'ils fassent partie du processus des prises de décision. Étant une jeune moi-même et d'après mon expérience, je vais passer aux fondations des politiques de l'Union africaine qui sont actuellement mises en œuvre et parler des lacunes et les défis et puis les solutions proposées parce qu'on peut parler des défis, mais il faut aussi parler des solutions pour les jeunes, pour les générations actuelles et à l'avenir. D'après mon expérience, comme je sors du secteur privé et maintenant je rentre dans un espace politique en tant que tout se chevauche finalement. Lorsqu'on se penche sur les jeunes et qu'on voit ce dont ils ont besoin, c'est surtout le développement économique, le développement social. Et il y a ce thème qui va avec cela, pour assurer que leurs besoins sont bien reconnus, qu'il faut leur présenter des emplois, des questions humanitaires aussi, et un accès de base aux services sanitaires. Lorsqu'on ne s'assure pas que leurs besoins qu'ils reçoivent les services dont il faut, cela crée des problèmes. Alors, l'aspect de la paix et des conflits en Afrique, souvent les jeunes sont perçus comme étant les moteurs, les participants dans la violence, l'extrémisme violent, les rébellions. Et à travers le continent, souvent, les difficultés sont expliquées par la marginalisation des jeunes, la profilération des armes, de l'extrémisme violent. Aussi est associé avec la dissatisfaction politique et économique des jeunes hommes et des jeunes femmes. Les jeunes en particulier sont susceptibles à la violence et à la criminalité. Ils portent aussi le fardeau des insécurités économiques et sociales. Ils sont souvent la victime de violences, de terrorisme eux-mêmes. Plus de 600 millions de jeunes vivent à travers le monde dans des zones de conflit, beaucoup d'entre eux étant en Afrique. Et vu la population en hausse de la jeunesse en Afrique, la plus rapide en croissance du monde, pour assurer la paix et la sécurité sur le continent, c'est pas étonnant que cette croissance, qui va durer encore 3 décennies, est perçue comme étant une bombe à retardation. C'est donc une urgence qui nous confronte dans les régions de conflit sur le continent, l'instabilité politique, le chômage, la radicalisation, la migration forcée et les effets du changement climatique. Tout cela affecte les jeunes de façon aiguë. Ces menaces ont une nature encore pire lorsque nous voyons la hausse de la population de la jeunesse. Nous voyons aussi l'avancement des médias sociaux et le rétrécissement de l'espace politique pour les jeunes en Afrique. Nous avons parlé aussi de la cybercriminalité. Les zones même stables en Afrique, si on se penche sur les régions plutôt stables, la jeunesse a des problèmes de plus en plus grands de socio-économiques. Et les médias sociaux ajoutent à cela, ils ont aussi un manque d'éducation, les lacunes de compétences pour les nouveaux emplois. Beaucoup de migrants de l'étranger qui arrivent dans les pays, l'urbanisation, l'explosion de la population jeune provenant des zones rurales vers les villes, stresse beaucoup les économies déjà fragiles. Cela va rétrécir les opportunités économiques des jeunes à travers l'Afrique. Ça crée un cercle vicieux que nous voyons à travers le continent. En Afrique, une exclusion réelle, manque de représentation réelle est la cause principale de la violence, des conflits de la violence. La majorité n'ont pas... il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes.
Il est donc la responsabilité des décideurs, des politiques, de comprendre ces vecteurs et de rendre ces processus de politique plus inclusifs pour la jeunesse en Afrique. Nous avons vraiment des enjeux importants à se faire. La jeunesse ou bien va être des victimes. Souvent, on voit les jeunes comme étant ou victimes ou les causes de la violence. Mais il faut plutôt voir la jeunesse comme étant un atout qui peut renforcer la paix. Alors, je vais passer à la Fondation et au programme de l'Union africaine pour assurer l'inclusion des jeunes dans les processus de renforcement de la paix. Lorsqu'on parle de ces démarches, surtout de l'Union africaine, acte de 2000, l'article FG souligne la stabilité sur le continent, mais cherche la paix, la sécurité, la participation, la bonne gouvernance comme objectif clé. Ces principes démontrent l'engagement à la jeunesse, la paix et la sécurité. Surtout l'article 4C qui fait appel à la participation de tous les Africains dans les activités de l'Union africaine, la promotion d'égalité de genre, de principes démocratiques, des droits de la personne, état de droit, bonne gouvernance, tout cela. C'est le protocole de l'Union africaine sur la paix et la sécurité. Nous voyons qu'un objectif clé, c'est la promotion de la paix et la sécurité, la stabilité pour garantir les protections et la préservation de la vie, de la propriété, le bien-être du peuple africain et l'environnement, aussi bien que la création de conditions qui vont mener au développement durable. L'article 20 dit que le Conseil de sécurité doit faire de sorte que les ONG, les groupes et d'autres organisations de la société civile de participer de façon active pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique et d'assurer que les jeunes soient inclus dans ces processus. Nous avons aussi la charte de la jeunesse dans l'Union africaine. 17 membres États n'ont pas ratifié cette charte, qui est un document de gouvernance pour les jeunes lorsque on parle des droits des jeunes, de la jeunesse. Ceci assure les droits et de la jeunesse et le fait qu'ils doivent être inclus dans les processus de décision. Article 11 dit spécifiquement que la jeune doit participer dans tous les domaines de la société à travers une implication active et un accès équitable dans les prises de décision pour la jeunesse marginalisée, la provision de soutien technique et financier pour renforcer les institutions qui promouvoient les jeunes. L'article 17 souligne le rôle important des jeunes dans la paix et la sécurité en renforçant la capacité des jeunes et des organismes qui soutiennent cela et pour prévenir les conflits, l'utilisation de l'éducation, la scolarisation pour promouvoir la paix et la sécurité et la tolérance parmi les jeunes, mobiliser les jeunes dans les zones de post-conflit dans les zones affectées par les conflits. Je souligne cela parce qu'il y a un besoin au sein des États membres et à travers les secteurs que nous sommes en toute connaissance de ces articles et à savoir comment ça bénéficie les jeunes et que les jeunes, que les pays fassent la ratification de cette charte. Quand on examine l'agenda 2063 de l'Union africaine qui s'aligne avec les buts de développement durable, surtout l'aspiration 4, qui appelle pour une Afrique pacifique basée sur des mécanismes pour la prévention et la résolution des conflits et une culture de paix et de tolérance pour les jeunes à travers la paix et l'éducation. L'aspiration 6 parle d'une Afrique dont le développement est basé sur les populations, sur les citoyens, les femmes, les enfants, les jeunes. Alors, ayant parlé de ces aspirations, mon défi aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on s'assure que ceci avance, qu'on délivre, en fait, qu'on livre ces résultats pour les jeunes.
au-delà des discours, mais en fait en tant qu'action concrète. Il y a l'APIA, c'est le plan d'action pour l'autonomisation des jeunes. APIA, ceci sert en tant que base pour guider et influencer les contributions des initiatives clés pour les jeunes. Et il y a un besoin que quand nous examinons ces documents qui gouvernent les États membres de l'Union africaine, que nous mettions en œuvre à travers les secteurs, même dans le secteur de la sécurité, de nous assurer que ceci est transversal et que nous élaborons une Afrique que nous voulons, qui inclut les jeunes et qui sont représentés dans ces espaces quand on parle de la paix et de la sécurité. L'engagement avec la société civile est un exemple. Donc, il y a cet agenda de paix et de sécurité de jeunesse. Et ceci engage les organes de la société civile. La formule Livingston, un mécanisme établi par un acte de l'Union africaine, dans mon rôle, quand on examine la société civile, moi, j'ai intentionnellement, je m'engage avec les jeunes personnes sur le terrain. Actuellement, je vais commencer un tour de 60 jours pour aller voir les jeunes et sur le continent et avec la diaspora, vraiment pour m'asseoir avec ces jeunes personnes, aller les voir dans leur communauté, aller voir des jeunes qui ont été des victimes de violences, pour nous assurer que nous comprenons mieux quand nous leur parlons quels sont leurs problèmes et quelles solutions ils auraient à proposer. C'est bien d'établir des solutions pour les jeunes, mais c'est tout autre chose quand on les inclut dans la création de ces solutions. Alors, il faut être intentionnel dans ceci, en tant que décideur politique, en tant que leader du secteur de la sécurité, pour nous assurer que nous les incluons dans le dialogue, dans la prise de décision. Et donc, il y a le programme des jeunes pour la paix de l'Afrique qui a été mis en œuvre au sein de l'Union africaine. Nous avons nommé des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs de la jeunesse et de la paix. Donc, chaque région est représentée sur les méthodes de paix et ils ont un siège sur le Conseil de paix et sécurité. Et donc, cela force un dialogue intergénérationnel et on présente les défis qui font face aux jeunes sur le terrain. On a visité le Burundi récemment, quand le Burundi avait la présidence du Conseil de paix et de sécurité. On a initié un dialogue hybride sur le cadre continental de la paix et de la jeunesse, parce qu'il y a aussi un cadre continental qui gouverne les États membres. Alors, au sein de ce cadre, les jeunes ont contribué des recommandations. Leurs idées à propos de ce que devraient être les avenants à ce cadre. Et on a proposé ceci aux décideurs politiques en tant que la déclaration de Bujumbura. Et cela dit, en tant que jeunes, on comprend qu'il y a un cadre, mais on voulait s'asseoir et parler entre nous en tant que pairs, et on voulait contribuer à ce cadre et voir où certains éléments pourraient être modifiés, basés sur ce qu'on a vu sur le terrain et basés sur les expériences des jeunes que nous avons rencontrés. On a pu proposer ceci. Ceci a présenté une opportunité pour les ambassadeurs de la jeunesse et de la paix dans les différentes régions pour aussi parler aux jeunes dans leur région, parce que ce qu'on ne réalise pas forcément, c'est que tout ne va pas à tout le monde. Alors, c'est bien d'avoir des programmes qui, en fait, se focalisent sur les régions elles-mêmes et même sur les pays et comment ces éléments sont impactés par rapport aux problématiques sécuritaires. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Cinq minutes. Alors, je vais maintenant passer aux lacunes et aux défis. Alors, malgré tous les engagements et toutes les initiatives entreprises par l'Union africaine et les groupes de jeunes et les autres parties prenantes qui travaillent sur la sécurité en Afrique, malgré tout cela, il y a quand même eu des contraintes. Et je vais en nommer quelques-unes.
d'abord des ressources financières limitées pour ces initiatives pour les jeunes. Il y a peu de ressources financières pour ces groupes de jeunes et pour la paix et la sécurité pour les jeunes. 239 organisations de jeunes qui travaillent pour l'élaboration de la paix au niveau mondial, à peu près 50% de celles-ci ont moins de 5 000 dollars par an. 5 000. Et donc ceci, ça c'est pour toute la paix et la sécurité, tout le domaine de la paix et de la sécurité. Il y a une concurrence pour ces ressources et ça veut dire qu'il y a des synergies et de la collaboration qui est nécessaire parce que ces financements sont rares. Alors, la coordination entre les parties prenantes, les initiatives liées à la jeunesse et à l'élaboration de la paix ont besoin de plateformes, manque de plateformes et de systèmes de coordination, coordination entre les groupes de jeunes. Les organisations intergouvernementales, les partenaires, les médias, etc. On a besoin de plus de collaboration du point de vue de la coordination. De plus. Des organisations faibles et les capacités techniques faibles parmi les groupes de jeunes. Il leur manque les capacités dont ils ont besoin pour vraiment attirer les ressources techniques et financières limitées et pour documenter, mettre en œuvre et évaluer l'impact de leurs programmes. Alors, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais m'arrêter là et je pourrai répondre à vos questions un peu plus tard. Merci. Merci. Alors maintenant, je donne la parole à Victor. Merci et bonjour à tous de Kampala, en Ouganda. Je suis Victor Ochen, je suis Ougandais. Je suis heureux de vous rejoindre aujourd'hui. Je pense que les problèmes que nous abordons aujourd'hui sont vraiment quelque chose que si nous essayons de trouver de vraies solutions, on doit le faire d'une manière un peu plus pratique, voulant dire de prendre les documents, de mettre les beaux documents et les outils qu'on a établis en pratique, les mettre en œuvre, de ne pas avoir ces belles politiques, mais on n'en fait rien. Je parle parce que j'ai de l'expérience. Avant cet appel, j'ai été sur un appel avec la fondation Archevêque Tutu et pour maintenir leur héritage. Alors, donc, la question, c'est où en sont les jeunes par rapport à l'esprit, la lutte qui a été menée par leurs ancêtres. Cette semaine, j'ai eu quand même ça a été plutôt épuisant parce que ce travail de réfléchir profondément à ceci. On nous a contactés en tant qu'organisation. Nous avons commencé en Ouganda et c'est pour soutenir les victimes et les survivants des guerres. Nous avons des experts qui sont psychologues, psychiatres européens qui nous aident et qui travaillent pour et aussi aider à soutenir les victimes en Ukraine, surtout les femmes qui sont des victimes de l'utilisation du sexe comme une arme. Pendant la guerre, les enfants qui sont impactés par la guerre, séparés de leurs parents, orphelins ou blessés ou même recrutés dans certaines parties du monde pour rejoindre des forces armées. Alors, on a trouvé des experts à travers le monde mais il y avait ce problème, c'était ce manque de connaissances pratiques. Alors, ils sont venus en Afrique pour nous demander de cette expérience, pour qu'on puisse, on travaille avec les réfugiés ukrainiens en Ukraine et dans les pays avoisinants. Et donc, nous faisons ceci. Donc, les interventions humanitaires ont tendance d'être vues d'une optique européenne.
de cette mentalité de superpuissance. Et nous, maintenant, nous disons, écoutez, nous faisons partie de cette communauté mondiale. Et nous avons tous un travail à faire ensemble. Le soutien peut provenir de n'importe quelle partie du monde. Alors, je dis ceci pour aborder notre sujet. Alors, mon point de vue, je suis née et j'ai été élevée dans une zone de conflit. Je suis heureux que je puisse parler l'anglais, mais la majorité de ma génération n'y est jamais arrivée. Et si je réfléchis à comment je suis arrivée là où j'en suis, c'est incroyable. Mais ayant été née dans le genre de situation où vous n'avez pas de sécurité, d'éducation, de santé, votre vie est tellement perturbée par la souffrance, etc. C'est vraiment là que j'ai grandi. C'était mon enfance. C'est difficile, la vie pendant la guerre. Et dès mon enfance, j'ai pris un engagement envers ma mère, lui disant que, quoi qu'il en soit, je vais rester engagée sur mon choix pour la paix. Je ne vais jamais prendre une arme pour tuer quelqu'un. Et c'est l'engagement que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment tirer une arme, un fusil ou quoi que ce soit. C'est mon engagement. Ça m'a inspirée quand j'étais enfant, grandissant dans une zone de conflit. Mes frères étant pris, mes amis se demandant qui d'autre, qui va être pris le prochain, allez, me demandant que vais-je faire, comment, que puis-je faire pour changer cette situation. Alors, comme toute autre personne grandissant, on veut étudier, on veut devenir un docteur, un pilote, un enseignant, etc. Mais mon rêve tel que de tels emplois, bien sûr, a été éliminé par ces conflits, cette pauvreté que j'ai vécue. Et on a toujours ce sentiment qu'on veut changer le monde, la communauté. Et puis, tous les rêves, on espérait être moteur de changement. On se demande pourquoi la souffrance, pourquoi la guerre, pourquoi les problèmes. On pensait avoir les réponses à ces questions, mais pour trouver les réponses à ces questions. Et puis, j'ai réalisé que la meilleure façon de répondre à ces questions, c'était de poser encore plus de questions. On a donc commencé à poser des questions. Que faisons-nous de nos vies? Le fait que nous avons grandi au sein des conflits, on peut quand même faire une différence. Et c'est la question qui nous a motivés pour nous dire que nous allions être des agents de change. Même si nous célébrons la vie aujourd'hui, c'est un parcours, un acheminement d'une chenille qui est remplie de fragilité. C'était tout un ensemble de défis dans la vie, comme la chenille, on peut être mangé par les oiseaux, c'est comment on peut être atteint par des bandits et d'autres. Il y a la vie de cocon que nous vivons dans la guerre sans opportunité, et puis de devenir chenille, et puis la pupaille, et puis de devenir le papillon. Le papillon que nous voyons aujourd'hui, c'est le papillon que les gens projettent, mais combien d'entre nous pensent et réfléchissent et voient les douleurs, les difficultés, les cris de douleur et la souffrance de la chenille, c'est là où nous en sommes. Aujourd'hui, je veux célébrer les victimes et les survivants de la guerre et des conflits. C'est eux les héros, parce que même s'ils ont vécu le pire de la vie, ils ont choisi de vivre avec la paix et de vivre avec l'humanité. Voici la vie que j'ai vécue, dans laquelle j'ai grandi. J'ai pensé que la meilleure chose à faire, c'était de former cette initiative de réseau des jeunes pour mobiliser la jeunesse et de promouvoir la paix et la justice.
Mais bien sûr, les gens pensaient, mais pourquoi vous parlez de la paix? Vous ne l'avez jamais connue. Pourquoi vous parlez de la justice? Vous ne pouvez même pas comprendre la justice. Mais nous sommes fatigués de vivre cette vie de difficultés, d'acceptation, de souffrance. Au cours des années, nous avons été victimes trop longtemps, des victimes de manque de droits humains. C'est pour ça que je suis en toute solidarité pour soutenir les opportunités pour les gens qui sont affectés, non seulement de l'Ouganda, mais en RDC, de la jeunesse dans la région. Nous travaillons avec l'Union africaine. J'ai fait partie d'un groupe de membres qui ont fait une étude sur le rôle de la jeunesse dans la paix et la sécurité en Afrique. Je suis ravie de voir que mon travail maintenant a été invité de soutenir aussi les populations en Europe. C'est là où nous pouvons faire des contributions. Alors, nous parlons de politique bien documentée. Il faut aussi humaniser la face de la politique, parce que la politique sans la face humaine, c'est un morceau de papier, une feuille de papier. Si par proxy, il faut avoir les droits de la personne par proxy, c'est seulement des annonces sans action. Il nous faut nous assurer que nous sommes poussés, encouragés par la face humaine des droits de la personne, de la justice. Alors là où on se trouve aujourd'hui, si on se penche sur ce qui manque sur le continent, en Afrique, nous avons toute une génération qui crie, qui pleure, qui cherche la paix, des opportunités, mais qui doivent, qui ont les difficultés avec leur propre réalité quotidienne. Cela est devenu des défis terribles. Si on met tellement de jeunes ont eu des temps, des expériences très difficiles, transformant nos douleurs, nos souffrances, nos cris dans des opportunités de leadership pour la promotion de la paix. Transformons nos larmes, qu'elles deviennent des eaux pour construire, pour le ciment, pour construire une meilleure société. On peut se faire parce qu'on est fatigué, on est éreinté physiquement, émotionnellement. La question donc, quelles sont les opportunités économiques que nous allons offrir à la population qui n'a rien, les populations qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de compétences ou peu de compétences. Les populations sans compétences, il y en a qui ont été scolarisées mais qui n'ont pas fini l'école. Et puis, il y en a d'autres qui ont terminé leurs études, mais il n'y a pas d'emploi pour eux. Il y a le manque de chômage. Il y a le problème du chômage. Comment créer un environnement d'opportunités économiques pour non seulement ceux avec les compétences, mais ceux sans compétences? Il faut présenter ces opportunités. Si nous exclusons ceux qui n'ont pas de compétences, nous allons en fait les préparer à être radicalisés. Et donc, tout ce que nous voyons présente des opportunités. Si on se penche sur l'explosion de la population des jeunes, elles sont la majorité, elles présentent une force et cette force peut devenir négative ou positive suivant ce que nous faisons. Si nous attendons qu'ils soient déjà dans les rues, manifestant, en faisant des émeutes, alors là, nous répondons bien trop tard. Parce que la jeunesse, nous voyons qu'ils deviennent hostiles à nos politiques. Il y a des problèmes grandissants, il y a les ingrédients des tribus ethniques. Il faut se demander, ma sœur Shida a parlé de rassembler toutes les cultures dans un environnement de paix et de réconciliation. Il faut que l'Union africaine sorte à Addis-Ababa et qu'elle se présente partout sur le continent.
Trop longtemps, on a centré notre discussion, nos opportunités, notre engagement dans les capitales des pays. Mais il faut aller dans les communautés. Sinon, on ne va rien réussir. Il y a un proverbe africain, un enfant de l'Afrique va grandir. S'il est toujours porté sur le dos, il ne voit que le dos de sa mère. Mais s'il n'y a que la violence et la pauvreté, voilà ce que voit l'enfant. Et ça va rendre les choses très difficiles. Nous avons les technologies, mais est-ce qu'on... Il y a trop de... Trop de... La culture d'ethnosuprématie que nous voyons, il nous faut aller au-delà de cela. Si Chido, ma sœur, veut voir un changement, on peut créer un mouvement à travers le continent. Combien de gens aujourd'hui, la majorité des gens aujourd'hui, il faut offrir les opportunités à tous pour pouvoir renforcer la paix. Il faut que ce soit des mouvements de base dans les communautés. Il faut tout d'abord créer la bonne volonté. Et puis, on a aussi parlé du manque de confiance intergénérationnelle. Oui, il y a trop de manque de confiance entre générations. Les gens utilisent les émotions pour créer de la peur. C'est l'attirance du populisme. Les gens veulent créer la division entre les générations, mais il nous faut la bonne volonté religieuse, interculturelle, politique, pour pouvoir soutenir les jeunes. Parce que la corruption politique, le manque de services sociaux, sanitaires, médicaux et autres, détruit les opportunités et ferme les possibilités de changement, le chômage, les gouvernements autocratiques. Tout cela sont des ingrédients pour des difficultés, le manque de bonne gestion, créer des atmosphères catastrophiques. Et puis, il faut être bien clair, il nous faut arriver à un point. Avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il nous faut recommencer, redessiner notre vision. Où sommes-nous dans le leadership mondial, économique, social, la ségrégation, la discrimination des peuples en Afrique ne va nous mener nulle part. Les jeunes, si on est maltraité en tant que jeune, si on est exclu, cette personne devient un risque et va politique et sera assujettie au risque du populisme politique. Si on exclut les gens, s'ils sont maltraités, cela crée des situations très dangereuses. Et donc, ces gens sont vulnérables à être recrutés par le terrorisme. Je vous remercie de cette opportunité où on peut discuter de nos politiques africaines basées sur nos expériences personnelles. Malheureusement, nous avons souvent on a démarré dans un récit de paix, mais pour nous, c'est devenu motivation pour que notre souffrance devienne inspiration pour mieux faire pour les autres. Merci beaucoup. Merci, Victor. Je pense que ça, c'est le meilleur panel jusqu'ici.